Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce lieu, la Maison Budget du Bernier, le siège social de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, bienvenue. On va passer directement aux présentations. Donc, il est ancien député du bloc québécois à la Chambre des communes. Il est ingénieur de profession. Il est professeur également. Marcel Lucier est un vrai passionné d'histoire et de généalogie. C'est un ancien président de la section Doris Lucier pendant de nombreuses années. C'est également un membre à vie de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, ceux et celles qui ne sont pas encore membres, vous le pouvez après la conférence. Et notre conférencier a fait beaucoup de recherches sur Pierre Lemoine Villerville. On est très heureux aujourd'hui de pouvoir le recevoir pour nous parler de ce personnage héroïque. Et je voulais aussi saluer, nous avons des conseillers généraux, nous avons notre vice-présidente avec nous ce soir, France et l'anglais. Merci. Nous avons également Mathieu Roy avec merci également à tous les membres de la société et les nouveaux, les sympathisants. Alors, Monsieur Marcel Lucier, c'est à vous. Merci. Nous allons poser les questions à la fin. J'ai oublié de vous le dire, je vais juste le mentionner. Merci. À tout de suite. Bonsoir à tous. Ça prend réellement des maniaques de l'histoire pour revenir à une soirée comme ce soir. Des accros, des passionnés. Alors, ma conférence de ce soir, Pierre Lemoine d'Iberville, seigneur d'Ardilière. Wow! Et d'Iberville, notre conquérant, notre héros. L'aventure commence pour moi en 1980. Lorsque je fais une démarche, une petite incursion avec Québec-France, je suis logé en banlieue de Paris, à Saint-Germain-en-Laye, et j'effectue des recherches dans les archives, payées gratuitement, logé nourri, par Québec-France. Et le coup de foudre, je l'ai reçu en interceptant cet acte qui est le baptême de Frontenac. Alors, je découvre sur ce baptême la date de son baptême, le 12 mai 1620, et je m'aperçois que les livres d'histoire, les encyclopédies, les dictionnaires ne connaissent pas la date de baptême ou de naissance de mon ami Frontenac. Alors, c'est le départ d'une longue aventure qui m'a amené, disons, à suivre M. Frontenac à travers la France, à travers l'Italie, en Grèce, où il est allé combattre, et dans tous les champs de bataille en Belgique et en Hollande. Une fois que j'ai exploré M. de Buade en France, en Europe et en Amérique, je me suis attardé à sa femme, un personnage extraordinaire, Anne de Lagrange, qui fait l'objet aussi d'une autre de mes conférences qui va être donnée ici au mois d'avril, je pense. Ensuite, je me suis penché sur Robert Cavelier-Lassalle, le grand découvreur du Mississippi, qui m'a conduit à Pierre-Lemoine d'Iberville, celui qui est venu implanter la première colonie en Louisiane. Et chemin faisant, j'ai croisé Pierre Le Sueur, Marguerite Messier, Henri Tonti, Lucien Talon et Samuel de Champlain, etc. Donc, ce sont tous des sujets de mes conférences. Revenons à Dr. Pierre-Lemoine d'Iberville. Alors, Pierre Lemoine, qu'on voit en bas du diagramme, tout le monde sont au courant que son père s'appelle Charles. Mais que son grand-père s'appelle Pierre, ça, pas tout le monde le sait. Et aux dernières nouvelles aussi, Charles Lemoine a un demi-frère que personne ne connaît, qui s'appelle Pierre Lemoine. Et Charles a un cousin qui s'appelle Pierre Lemoine. Alors, dans les registres de Dieppe, tous ces personnages-là vivent à Dieppe, quand on fait des recherches dans les archives et qu'on rencontre un Pierre Lemoine, lequel? Oui.
Alors, Lemieux, mon Pierre Lemoine, mais c'est un personnage qui s'est installé en France. Il a quitté la Nouvelle-France en 1697, après sa dernière bataille à la baie du Thon, et il n'est jamais revenu en Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'il s'est installé dans une seigneurie, Ardillière. Il a fait tellement d'argent avec ses conquêtes à Terre-Neuve et à la baie du Thon, qu'il a pu se payer une seigneurie, 90 000 livres cash. Et sa seigneurie, elle se situe à proximité, donc vous voyez le triangle formé par la flèche bleue qui est La Rochelle, la flèche rouge Rochefort, et en plein centre d'un triangle, vous voyez la seigneurie de Ardillière. La petite flèche à côté, c'est la seigneurie de son frère, Joseph le moine de Sérigny, seigneur de Loire, les marais. Et si vous allez là, vous allez comprendre que c'est des marais. C'est bien des marécages. Donc, ça n'a pas des terres très, très en bonne culture. Alors, il y a un très beau livre publié sur Ardillière que je me suis procuré lorsque j'ai visité le vieux château qui est en ruine. Et j'ai été très bien reçu aussi par M. le maire Ardillière qui... c'est tout un honneur pour lui de connaître Pierre-Romain Duberlu. On connaît deux portraits de Pierre-Romain, celui-là qui est très peu connu, et on ne connaît pas la provenance, mais on a une signature en bas, Pierre-Romain, et celle-là que tout le monde connaît, c'est ce qu'on voit dans toutes les revues, et les cours, et les livres d'école. Il y a peu de gens qui savent qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a un magnifique cadre où on voit d'Iberville implorer la Sainte-Anne avant son départ pour sa conquête de Terre-Neuve et de la baie du Thon. Donc, on appelle ça un ex-voto de d'Iberville qu'on date peut-être après 1685. Pierre-Romain d'Iberville a une statue devant le Parlement, je ne vous apprends rien. D'Iberville a aussi sa statue devant le Parlement, devant Ottawa. Et surtout, ce qu'il y a de, pas de malheureux, mais d'Iberville, le gouvernement fédéral se sert de son personnage, de ce personnage, pour l'enrôler dans les héros de guerre avec tous les généraux là, du 22e régiment, etc. Toutes les autres personnages que vous voyez derrière sont des soldats des deux dernières guerres. Mais d'Iberville, premier en avant. Si vous vous transportez à Ocean Spring, au Mississippi, l'État du Mississippi, dans le sud des États, vous allez voir une très belle statue d'Iberville à Biloxi, puisque c'est là, à Biloxi, qu'il a fondé son premier fort lorsqu'il est allé coloniser la Louisiane. Ensuite, vous pouvez vous transporter à Mobile, Alabama, pour voir la magnifique statue devant les gratte-ciels là, de la grande ville de Mobile. Mobile était la capitale fondée par d'Iberville, la première capitale, qu'on pourrait dire, importante de la Louisiane avant qu'il déménage à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet de Jean-Guy Allard, qui était un journaliste à Cuba, qui a coordonné, disons, l'implantation d'une statue de d'Iberville dans le port de La Havane. Alors ça, c'est lorsque M. Allard a accueilli la statue de bronze dans un garage. Alors, et ensuite, ils l'ont installée près du port dans la baie, là, près de La Havane. Il y a toute une histoire sur la plaque qui orne le monument ou la statue de d'Iberville à La Havane. Alors, je vous demande de la lire lentement. Et voir que Pierre Lemoine d'Iberville, Montréal 1661, La Havane 1706, etc. Ensuite, une phrase en espagnol, ensuite une phrase en français, ensuite inauguré le 14 novembre 1999 par le gouvernement du Québec. Cette plaque qui a été posée par le gouvernement du Québec sur la statue de d'Iberville a été volée. Elle a été enlevée. On a fait enquête, savoir
qui a bien pu enlever la plaque du Québec, qui a Québec, le gouvernement du Québec a mis sur un monument de un de ses héros. On a fait enquête et on s'est aperçu que c'était l'ambassadeur du Canada qui avait ordonné d'enlever la plaque because il n'y a pas d'anglais sur l'air. Il y a des phrases en français et en espagnol. Il n'y a pas d'anglais, donc on enlève. Le Canada, on est bilingue. La plaque a été enlevée durant 3 semaines. Les gens se sont plaints. La Maison du Québec s'est plaint, etc. Et le maire Lallier de Québec, qui a été un des instigateurs de ce monument, de cette statue, a fait pression sur les ambassadeurs, etc. Et ils ont remis la plaque. En français et en espagnol. Elle n'a jamais été traduite. Ce beau monument-là fait l'honneur à chaque année, absolument. Là, j'ai perdu un petit peu la suite avec la pandémie, mais à chaque année, Colette Laverne, une sympathique souverainiste de Montréal, partait pour l'Avent avec une équipe de 20 à 30 étudiants et faisait une cérémonie solennelle le 9 juillet à chaque année. Pourquoi le 9 juillet? C'est la date du décès ou de la sépulture de Duberville. Donc, Colette Laverne, cette année-là, elle était avec moi lors de cette cérémonie et le gouvernement du Canada avait réussi à introduire un drapeau rouge dans nos 30 drapeaux bleus. L'ambassade avait réussi à nous glisser un drapeau rouge. C'est cette année-là aussi, certainement l'ont bien connu, cette année-là, j'étais accompagné de Gérard Laframboise, dont le rêve de sa vie, le rêve de la vie de Gérard Laframboise, grand, très actif à la Saint-Jean-Baptiste, son rêve, c'était de rapatrier les ossements de Dieu. De rapatrier. Et il m'a transmis à son décès cette tâche. Alors, nous avons à travers toute l'Amérique des très beaux monuments en l'honneur de d'Iberville. Et à Montréal, la statue de d'Iberville, située en face de l'église Sainte-Cunégonde à Montréal, elle n'existe plus. Elle a rouillé et on l'a démolie et on ne l'a jamais remplacée. Montréal, ville natale de d'Iberville, n'a plus de statut. Pour votre information. Alors, vous savez que Pierre-Romande, c'est le troisième enfant de Charles et de Catherine, d'une famille de 13, etc. Et il est baptisé à Montréal. On voit son baptistère à l'écran. Son parrain, c'est Pierre Boucher de Boucherville. Et on a ensuite tous ses exploits relatés dans cette diapo. Je ne vais pas faire chacune de ces batailles, là, qui est mémorable dans chacune des années qui sont mentionnées là. Simplement peut-être mentionner qu'il a commencé sa première bataille en 1688, lorsqu'il est allé dans une expédition à la baie James. Il est parti de Montréal parce qu'il avait mis une petite fille enceinte. Alors, les gens disent, mais il s'est sauvé à la baie James, il est allé se cacher. Et quand il est revenu, il y a eu un procès, il a été condamné à entretenir la jeune enfant jusqu'à ses 18 ans. On connaît aussi tous ses parcours autour de la planète. On voit son trajet pour le Mississippi, on voit ses trajets pour la baie James, ça c'est, et la baie du Tson. J'ai mis cette diapo pour vous montrer que avant que les Américains envahissent disons, la Louisiane, le territoire était sillonné par des expéditions françaises. Okay? Tous les traits que vous voyez, là, ce sont des expéditions françaises de découverte de l'Ouest, la Vérendrye et compagnie, et vers le Midwest et même au Texas. Donc, ça, c'est sur toutes
des expéditions de Français. D'Iberville a fait la conquête de Terre-Neuve en 1696 et il a occupé 18 villages de pêcheurs et il s'est emparé du commerce de la morue. Donc, toutes ces prises qu'il a fait lors de cette attaque-là, il a fait une fortune en France. Et il a pu exploiter le commerce de la morue quelques années. Par contre, il était dérangé dans son commerce de la morue parce que le roi de France lui a dit « Mais tu t'en vas reconquérir le Fort Nelson à la baie du Tusson. » Alors, écoutant son bon roi, il est parti en 1696 pour aller reconquérir le Fort Nelson, qui une année était français, l'année suivante, les Anglais le prenaient, etc. Donc, ça oscillait. Mais en 1697, le grand coup était donné. Vous reconnaissez Albert Niller, notre Albert qui a fait des épisodes et qui même, il y a quelques années, il y a 15 ans, je pense, je l'ai croisé, il voulait personnifier aussi le personnage de d'Iberville dans mes projets de film. Alors, l'aventure de 1697, tout le monde la connaît, hein, l'aventure du Pélican. Donc, le roi de France mentionne à d'Iberville va reconquérir le Fort Nelson à la baie du Tusson et je te fournis quelques bons navires et quelques vieilles scraps de navires. Okay? Alors, le Pélican se tenait debout. Mais le profond, le webs, le palmier, le violent et l'esquimau, c'était des. Comment les appeler? Des épaves. Okay? Des rafios. Des rafios. Alors, il est parti avec tout cet équipage-là, et puis il s'est retrouvé coincé dans le détroit au nord de la pointe du Québec par des immenses glaces, et durant quelques jours, toute la flotte s'est balancé avec le mouvement des glaces et des vents. Et tout à coup, d'Iberville a réussi à se libérer des glaces et il a foncé tout seul vers le Fort Nelson. Une fois qu'il s'est libéré, les Français, eux autres, ont été attaqués par trois navires anglais, le Hampshire, le Durham et le Hudson Bay. Et ils ont échangé quelques bons coups de canon dans la baie, là. Et les Anglais, eux, ont réussi à passer au travers des glaces, les premiers, et se sont pointés devant le Fort Nelson, où d'Iberville avait commencé à débarquer ses équipages. Il y avait déjà, sa chaloupe était à l'eau avec son meilleur lieutenant, et déjà, il y avait des troupes de débarquer sur terre en train de monter pour une attaque du Fort Nelson. Et il s'est fait surprendre le 3 septembre par la flotte, une flotte anglaise, composé de trois navires. Le Pélican avait seulement 44 canons, le Hampshire 52, le Durham 36 et le Hudson Bay 32 canons. Donc, ne refusant rien, il a foncé dans la bataille et il a manœuvré de façon exemplaire, spectaculaire, avec une connaissance de précision des vents et des manœuvres de telle sorte qu'il s'est positionné sur le flanc du Hampshire, beaucoup plus puissant et plus gros que lui, et il a canonné de 22 coups de canon juste à la ligne de l'eau. 10 minutes après, le Hampshire était coulé avec ses 200 soldats et ses 100 hommes d'équipage. Une rafale de 22 canons, il coule le Hampshire. Voyant ça, le Berry et le Hudson Bay baissent les voiles et adressent la reddition avec un drapeau blanc. Alors, d'Iberville s'approche du Berry, en devient maître. Durant ce temps-là, durant ces manœuvres-là, le Hudson Bay a réussi à s'évader et a gagné l'Angleterre. Alors, d'Iberville est propriétaire d'un nouveau bateau, le Berry, et durant la nuit du 6 septembre, un violent orage se déclare sur la baie du Tusson, de telle sorte que le Durham coule et le Pélican, qui était très endommagé dans sa voilure, dans ses mâts, des trous dans sa coque, etc.,
très endommagé, lui-ci coule sur les bords de la baie du Tso. Donc, deux pertes, ils avaient deux bateaux. Le Pélican est perdu complètement et le Derry est complètement perdu. Donc, la bataille n'est pas encore gagnée. Et une chance que les trois navires qui étaient coincés dans le nord du Québec ont réussi à se libérer des glaces et sont venus porter main forte à d'Iberville. Et avec cette nouvelle armée-là, d'Iberville a fait la conquête du fort. À sa méthode. Quelle était la méthode de d'Iberville? On tire avant, on pose des questions entre les Indiens et les Canadiens. Ah, oui, j'ai entendu quelque chose. Je laisse aller les Indiens et les Canadiens, vous me donnez force, donc je laisse aller. Exact. Alors, je répète, la tactique de d'Iberville, il envoyait un émissaire. Okay. Je vous donne 24 heures pour vous rendre le fort. Si après 24 heures, vous ne sortez pas du fort les mains en l'air, j'envoie mes Indiens. Et ils ne font aucun. Personne ne va t'épargner. C'était sa méthode. Et tout le monde est prêt après. Et tout le monde se rendait. Après à peine 24 heures, là, tout le monde, devant la tactique de Duverville, se sont rendus. Donc, je savais que le Pélican a un projet là, dans le. Où c'est que ça a été construit? Dans la Malbaie, je pense. On reconstruit le Pélican. Ils l'ont exposé dans le port de Montréal quelques étés, etc. Et après, le Pélican a été vendu en Floride, Nouvelle-Orléans. Et il a coulé. Le Pélican a coulé une autre fois à proximité du Mississippi, pas loin de la Nouvelle-Orléans, lors de la grosse tempête qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Okay? Donc, le Pélican qu'on avait reconstruit n'existe plus. Il est au fond de l'eau. On va ensuite se pencher sur l'avenir, pas l'avenir, mais le trajet de M. d'Iberville qui, après avoir fait la conquête de Terre-Neuve, la conquête de la baie du Tson, va recevoir le mandat du roi Louis XIV d'aller redécouvrir l'entrée de la bouche du Mississippi pour y implanter une colonie. Okay? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Robert Cavelier-Lassalle a descendu le Mississippi en 1682. Il est revenu dans le golfe du Mexique avec trois navires. Il n'a jamais trouvé l'embouchure du Mississippi. Il a échoué ses bateaux sur les côtes du Texas. Et il s'est fait assassiner au Texas. Point final pour M. de Lassalle. Alors, 1685, Lassalle est assassiné. 1698, d'Iberville reçoit le mandat de reconquérir la vallée du Mississippi, qui est propriété de la France, puisqu'il a été découvert par M. de Lassalle. Alors, pour vous donner une idée, la Louisiane occupée par M. d'Iberville, ou découverte par M. d'Iberville, ça touche 25 États américains aujourd'hui. Et quand on parle de la Louisiane, on parle du bassin du Mississippi, englobant tous ses affluents. L'Ohio, le Missouri, la Rivière Rouge, etc. Donc, le bassin du Mississippi, c'est la Louisiane et c'est propriété de la France, grâce à d'Iberville. D'Iberville va faire trois voyages à la Louisiane. Le premier, il va s'implanter, comme vous disiez tantôt, là, dans le petit village de Biloxi, où il va construire un premier fort. Et il a quitté la France en 1698, mais va découvrir seulement que le 3 mars 1699, l'embouchure du Mississippi, par un pur hasard. Okay? Alors, ces chaloupes se promènent le long de la côte. Il subit un gros vent, le vent le pousse à l'intérieur des terres, et il découvre le Mississippi. Le 3 mars 1699. Il revient sur... il rentre en France pour se réapprovisionner en victuaire. Et il revient l'année suivante, ou l'automne suivant, avec la renommée, et demeure en Louisiane jusqu'au printemps 1700.
17 ans, il repart vers la France pour aller chercher encore des victuailles, de la poudre, etc., puis du blé. Parce que les Français, c'est des gros mangeurs de pain, là, ils manquent toujours de blé. Et on a tous les essais qu'on a fait pour cultiver le blé en Louisiane, ça a été un échec total. Donc, en arrivant dans le golfe du Mexique, il s'est arrêté à Saint-Domingue et là, il s'est acheté une ferme. Parce que d'Iberville est propriétaire d'une belle plantation datant de 1700 à Naïti, dans la ville de Cap-Haïtien. Dans l'époque, ça s'appelait Cap-Français. Il était baptisé. Donc, je vais vous en parler tantôt, la belle plantation de Saint-Domingue. Ceux qui ne savent pas, Saint-Domingue, c'est Haïti aujourd'hui. En revenant de son expédition qui est au Mississippi, il fait un arrêt très mystérieux et très discutable à New York. On est à l'époque 1700, on n'est pas en guerre contre les Anglais et contre les États d'Amérique. Donc, il se permet d'arrêter à New York et là, il fait une grande vente de fourrure au détriment des marchands de Montréal. Parce que la fourrure, c'est supposé de passer par les Grands Lacs, descendre jusqu'à Montréal, et le commerce se fait via des marchands de Montréal. D'Iberville court-circuit le commerce des fourrures, et tous les coureurs de bois descendent de fourrure via le Mississippi. Et c'est lui qui recueille les fourrures, mais il n'y a pas le droit de les vendre en France. Il est venu à New York. À son troisième voyage, il revient en 1701 avec le même navire, la renommée, et va quitter au printemps 1702. Et là, il va faire deux arrêts. Un à Pensacola et l'autre à Cuba. Pensacola, c'est sur la côte de la Floride, du golfe du Mexique, en direction de la Nouvelle-Orléans. Ah, pardon? C'est pas loin. Pensacola, c'est encore la Floride. C'est l'extrémité de la Floride, là, avant de toucher à l'Alabama. OK? Donc, c'est un port espagnol qui a toujours été convoité par les Français. Les Français voulaient avoir Pensacola comme port d'entrée là, pour la Louisiane. Ils n'ont jamais réussi à l'acheter ou à la conquérir. Alors, il arrête là, puis il discute avec le commandant espagnol et il demeure en bon terme avec lui. Et ensuite, il se dirige vers Cuba et va faire un arrêt aussi à La Havane. Il discute avec ses bons amis les Français et ensuite attrape la fièvre jaune et retourne en France. Alors, M. d'Iberville, non seulement c'est un conquérant, mais c'est aussi un commerçant. Il y a des revenus considérables de la morue et des fourrures. Il peut s'acheter des seigneuries d'artillères. Il va s'acheter une grande plantation à Saint-Domingue. Il va cultiver la canne à sucre. Il va avoir des plantations de cacao. 1000 plants. Il va cultiver l'indigo, la petite fleur bleue. Et il va installer son usine de sucre et de rhum. D'Iberville, producteur de sucre et de rhum. Et M. d'Iberville retourne en France après avoir visité sa plantation et est entré très malade et il va passer une période très sombre de 1702 à 1705. Il va passer par toutes les transes au niveau de la maladie. On est assuré qu'il est malade de la malaria, mais on pense que la malaria était aussi combinée par la fièvre jaune qu'il a contractée à Cuba. Parce que, je vous racontais tantôt, à Cuba, il y a une flotte française qui est là, et plusieurs Français de cette flotte-là sont morts à Cuba. J'ai trouvé leurs extraits de sépulture dans la cathédrale de La Havane. Okay? La flotte française à Cuba
perd beaucoup de ses capitaines, de ses commandants, etc. Et d'Iberville est allé voir ses chums, ses commandants, ses capitaines de navire en passant à Cuba. Parce que, je vais vous raconter, ce commandant qui est à Cuba a une très grosse mission. Alors, de 1702 à 1706, d'Iberville a fait 3 propositions au roi de France pour envahir les États américains. Okay? 3 expéditions pour envahir les États américains et battre toutes les îles anglaises des Caraïbes. Donc, la première proposition, ça va bien, il mobilise 3-4 gros navires de guerre. Il commence à charger ces navires-là de le roi l'abandonne. Il arrête. Bon. Alors, il tombe malade et il va en convalescence encore pour quelques mois. Comment on dit ça? Il va aux sources, il va aux eaux. Les Français, comment, quand ils vont se faire soigner là, dans les eaux thermales. Les eaux thermales. Bon, alors, il va aux eaux thermales et il récupère. Il offre en 1704 une seconde proposition. Et tombe malade encore avec une malaria qui l'a amené au seuil de la mort. Même toute sa famille qui demeurait à Ardillères se sont tous déplacés pour aller à son chevet à Paris pour le consoler et l'accueillir. Il s'en relève et il réussit à proposer une troisième expédition au roi. Et cette fois, le roi l'accepte et le ministre Pontchartrain l'accepte. Et voici le mandat que d'Iberville reçoit. Monsieur d'Iberville, je vous donne la permission d'attaquer les Antilles anglaises, au premier possession de la Barbade, de Nevis, de Saint-Christophe, de Montserrat et de Jamaïque. Ensuite, allez attaquer la Caroline, détruisez au passage la flotte de Virginie, arrêtez plutôt à Boston, puis donnez-leur une bonne leçon. Ensuite, allez au Maryland, puis rapportez-moi de ces grandes villes du Maryland au moins 100 000 livres de butin. Et si vous avez le temps, allez donc reprendre Terre-Neuve qui est revenue aux Anglais. Alors, voici le mandat de M. d'Iberville en 1706. Sauf que, pour une fois, d'Iberville va être bien équipé. Okay. Il y a une première escadrille de 8 navires de guerre okay, qui sont mis sous le commandement de M. d'Iberville et 4 autres vaisseaux qui sont mis sous le commandement du comte de Chavagnac qui devient second de d'Iberville. Donc, la hiérarchie là, d'Iberville est commandant des 12 navires, mais il y a une escadre de 4 navires commandée par M. de Chavagnac. Le problème, c'est que M. Chavagnac quitte la France d'un port dans le sud de la France, dans la Méditerranée, et M. d'Iberville quitte avec ses navires à partir de La Rochelle. Il est 2 mois en retard par rapport à l'autre escadre. Okay? Donc, M. Chavagnac est... le point de ralliement en passant, c'est la Martinique. Tout le monde a pour mission de se rendre à Martinique. Okay? Les 12 navires. Alors, les 12 navires cheminent vers la Martinique. Sauf que M. Chavagnac s'impatiente et dit, moi, je vais aller faire une petite incursion, je vais aller attaquer l'île de Nevis. Okay? Alors, il se présente devant l'île de Nevis, devant la capitale Charlestown, peu importe, et bombarde la ville durant quelques jours. Essaie 3-4 débarquements et se fait repousser à chaque fois, aucun gain du côté de M. de Chavagnac. Il se fâche et se garoche sur l'île voisine, l'île de Saint-Christophe, et va dérober 700 à 800 esclaves, toutes les marchandises et du butin, parce que quand on rentre dans une île, bien, on se fait du butin, on ramasse tout. Alors c'est ce que M. Chavagnac fait et retourne avec son butin à la Martinique. Et en même temps qu'il revient de son expédition, d'Iberville arrive dans le port de la Martinique. En même temps. Et là, il apprend que M. Chavagnac vient de bousiller complètement la stratégie de M. d'Iberville. Pourquoi?
c'est parce que cette attaque manquée devant l'île de Nevis a été transmise à toutes les îles anglaises, la Jamaïque, Montserrat, etc., la Barbade, et tous les forts anglais sont aux aguets, ils attendent M. Duberville. Okay? De Piffin. Tout le monde. Alors, Duberville dit, mais il n'y a aucune chance de faire la conquête de ces îles-là. Je vais me faire massacrer. Tout le monde m'attend. Et ils ont concentré des forces, des navires, etc. Et ils sont prêts à accueillir M. Duberville. Alors, M. Duberville, Flèche Bleue, rassemble tout son monde dans l'île de Martinique. Okay? C'est le point de rencontre. Dans l'île de Martinique, il va recruter des flibustiers. Okay? 1200 flibustiers. Il arrive avec 400 soldats de France. Okay? Il a engagé 100 Canadiens coureurs de bois dans son équipe et il va mobiliser 200 soldats de la milice locale. Il embarque tout ce beau monde-là dans ses bateaux et fait escale à la Guadeloupe et la Flèche Rouge. Okay? Sur l'île de la Guadeloupe, il va disposer toutes ses armées au sol et il va nommer ses commandants, il va aligner ses armées par peloton de 50, etc. Et ils vont avoir tous un mot d'ordre, toute une stratégie que M. Duberville leur a expliquée. Et le point, c'est d'aller attaquer non pas la Jamaïque, non pas la Barbade, non pas le Montserrat, la même île de Nevis. C'est une stratégie incroyable. Revenez sur les lieux d'une attaque que son prédécesseur, Chavagnac, a complètement raté. Alors, voici la belle petite île de Nevis. Okay? C'est une ville volcanique avec une grosse montagne. Et il décide là, d'engager 100 Canadiens, 400 soldats, 1200 flibustiers, 200 miliciens et 1000 matelots dans ses 12 navires. Mais ce qui est intéressant, c'est que les flibustiers, ils ont leur navire aussi. Hein? Alors, sa flotte est de 12 navires plus 33 petits navires de flibustiers, de carabiniers, de miliciens, etc. Donc, imaginez là, 33 plus 12 navires qui se dirigent vers la petite île de Nevis. Et regardez-moi la stratégie incroyable. Il dit d'abord, M. Chavagnac, vous allez retourner devant la capitale Charleston, puis vous allez bombarder, jour et nuit. Okay? Puis restez là. Bougez pas. Essayez pas de débarquer. Deuxièmement, il dit à son frère Joseph de Sérigny, toi, avec tes 6 navires, tu vas contourner l'île par le nord, okay? Puis tu vas faire un débarquement dans la petite forteresse au nord pour occuper les gens, pour pas qu'ils envoient des renforts vers le sud. Aider la ville de Charleston. Et M. Duberville débarque dans la nuit sur la côte est de l'île, piétine les champs de maïs, etc., et s'avance vers vers la forteresse de Charleston. Charleston est poigné en sandwich. Bombardé la façade, ils ne peuvent pas s'évader. Fusillé et bombardé de l'arrière, 24 heures, l'île appartient à Duberville. 24 ans. Okay? 600 soldats se rendent. Tous les cultivateurs se rendent. Monsieur Duberville devient propriétaire de l'île. Sur l'île, il y a 6000 esclaves qui, sur le marché, valent à peu près 2 à 3 millions de livres. Il capture 600 des prisonniers puis les rançonne. Si vous voulez votre liberté, sortez donc votre cash. Si vous ne sortez pas, on vous emmène en prison. Sur le bateau, vous allez travailler. Des caisses de bijoux, de la monnaie, toute la monnaie ramassée, toute la coutellerie, la vaisselle en argent, tous les meubles et 22 navires commerciaux qui étaient parqués dans le port de Charleston. 22 navires avec toute la cargaison de nourriture, de l'or salé, de poissons salés, etc., de farine, ça, capturé par M. Duberville. 22 navires. Plus ces 12 navires,
plus ses 33 années. Ça commence à faire une flotte intéressante. Alors là, il est décidé, une fois qu'il a capturé tout ça, chargé ça sur ses bateaux, il reçoit un signal d'un éclaireur qui dit « Oh, attention, là, une grosse flotte anglaise qui s'en vient. » OK, parfait, on va m'en aller. Alors, il embarque sur ses bateaux, et ses bateaux se dispersent dans tout le golfe du Mexique. Tout! Un bateau s'en va vendre des esclaves à Cartagène, un qui s'en va au Mexique, un autre qui s'en va en Louisiane. Le bateau avec les 400 soldats français sont ramenés en France parce que ça coûte trop cher. Les soldats, c'est Duberville qui les paye. C'est lui qui nourrit. Okay? Donc, vous coûtez trop cher et vous n'êtes pas bien fort, là, ça a la job. Alors, il retourne en France. Okay? Et il met la voile vers Cap Haïtien, Cap Français. Pourquoi vous pensez qu'il s'en va à Cap Français? Il s'en va déposer ses esclaves pour sa plantation. Il a besoin d'esclaves sur sa plantation. Qui va entretenir ses cocoliers? Qui va récolter sa canne à sucre? Qui va presser sa canne à sucre? Qui va produire son rhum, etc.? Il a besoin de main-d'œuvre. Alors, il débarque à Cap Haïtien une certaine quantité qui, malheureusement, va soustraire des registres du roi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on part à l'aventure comme M. Duberville, c'est qu'il est sous contrat avec le roi de France, avec un partage. Vous capturez du butin, on se sépare le butin. Le roi a un sixième, l'amiral des ports de France un sixième, un tiers au marin, un sixième, en tout cas, tout le monde se partage le butin. Mais avant de le partager, il faut en faire un inventaire. Puis si les esclaves ne sont pas sur l'inventaire, c'est de la vente avec un beau profit. Alors, une fois qu'il a débarqué et qu'il a brassé son administrateur, parce que Duberville a un administrateur en Haïti qui gère ses plantations. Hein. Et il brasse son monde et puis il reste avec eux peut-être un mois ou deux. Et ensuite, bascule par l'autre côté de l'île d'Haïti, il s'en va à Léogane, il fait le même commerce. Il vend encore à peu près 600 esclaves. Et pour ensuite se rassembler et se diriger vers la Havane. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'en va à la Havane d'après vous? Alors, nous sommes en juin 1706 et nous sommes encore dans ce qu'on appelle la guerre de la succession d'Espagne. Donc, les Français sont maintenant associés avec les Espagnols contre les Anglais et les Néerlandais. Donc, c'est pour ça qu'il s'en va à la Havane, recruter des galions espagnols, des armées espagnoles, pour foncer sur la Caroline. C'est le but de sa visite à la Havane. Bon, alors moi, je suis allé à la Havane et puis je me suis donné une mission. Je me suis posé bien des questions, j'ai fouillé les archives. Première question, pourquoi Duberville est-il à Cuba en 1606? Bon, on va essayer de répondre à ça. Son acte d'enterrement, parce qu'il est mort à la Havane, est-ce que c'est le 9 juillet 1606 ou le 5 septembre 1606? Et ça fait rire beaucoup les Cubains quand j'avais fait une conférence en 2006 et je leur ai dit, est-ce que c'est permis de mourir deux fois à Cuba? Les gens disent, oui, c'est légal. Vos registres disent que Duberville est mort deux fois. J'ai le registre du 9 juillet 1706 qui dit que M. de Berbila est mort. Et en 1706, le 1 novembre, un autre M. de Berbila. Donc, mort en juillet, mort en novembre. Alors, problème à régler, hein? Il est mort deux fois. Donc, l'autre question, quelle est la cause de sa mort? Alors, plusieurs hypothèses. Hein? A-t-il été empoisonné?
s'est-il suicidé? Parce qu'un gars, des fois, qui est dépressif, il peut se suicider. Est-ce qu'il est mort de maladie? Ou d'autres? On ne sait pas. Pourquoi meurt-il à Cuba, à La Havane, le même jour que le gouverneur espagnol de la ville de La Havane? Les deux sont morts le même jour. Et durant que les deux, le commandant espagnol Don Pedro Alvarez de Villarín négociait avec M. de Tiberville, négociait les bateaux, négociait les armées, etc., pour envahir les Caraïbes. Il y avait des espions jamaïcains dans le port qui faisaient du trouble. Alors, une des hypothèses, c'est qu'il aurait peut-être été empoisonné par une nation qui n'aimait pas M. Tiberville. L'autre question que je dois répondre, où est son corps? Où est son testament? Et qui est M. Moyne de Berbilla qui est mort quelques mois après M. Tiberville? Moyne. Alors, pour comprendre toute cette histoire, je suis obligé de vous donner un cours d'histoire sur les rois de France et d'Espagne. Êtes-vous prêts? OK. Alors, pour votre information, les rois et les reines de France et d'Espagne s'entrecroisent. Okay? Donc, il y a beaucoup de consanguinité. Tellement fort du côté des rois espagnols que le roi Philippe II n'a pas d'enfant. Or, Mazarin, dans la négociation du contrat de mariage de Louis XIV, a eu la précaution de mettre une clause dans le contrat de mariage de Marie-Thérèse, fille du roi de France, du roi d'Espagne, qui est Marie-Thérèse d'Autriche. Il y a une clause qui dit que si le roi d'Espagne n'a pas de descendants, le roi de France a le droit de mettre ses successeurs sur le trône d'Espagne. Ce qui devait arriver arriva. Le roi de France, Louis XIV, décide de placer sur le trône d'Espagne Philippe, son petit-fils. Pourquoi? Parce que le roi Louis XIV est en confiance. En 1701, il a un fils qui s'appelle le Grand Dauphin. Donc, c'est l'héritier naturel. Donc, il y a une descendance. Louis XIV, il y a une descendance. Il a trois petits-fils. Louis, Philippe et un troisième, Alexandre, je ne sais pas quoi. Il y a trois petits-fils. Donc, il se permet d'en donner un de ses petits-fils sur le trône d'Espagne. Il s'en garde deux petits-fils pour sa succession. Et même, il a un arrière-petit-fils qui est né, Louis, le bien-aimé, qui va devenir le nouveau roi Louis XV, puisque tous les autres vont mourir de maladie avant le décès de Louis XIV. Donc, la succession du roi de France, c'est la quatrième génération qui va l'avoir. Louis le bien-aimé. Et il va régner en parallèle avec le roi d'Espagne, son oncle, Philippe, c'est l'oncle de Louis XV. Et le roi d'Espagne, c'est ce qu'on appelle les rois Bourbons. Les rois Bourbons règnent encore aujourd'hui sur l'Espagne. Si vous regardez les rois d'Espagne, ils ont dit le roi Bourbon d'Espagne. C'est le descendant de Philippe. Donc, à partir de cette date-là, 1701-1702, le royaume d'Espagne et le royaume de France fusionnent comme amis. Mais la clause ne permet pas de réunir les deux royaumes sous le même roi. Il y a une règle, il n'y a pas de droit. Okay? Donc, deux royaumes, mais amis par le sang, par la parenté. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi que les Espagnols de Cuba accueillent M. Tiberville comme un grand ami à Pensacola et à La Havane. Or, en 1702, imaginez-vous donc que Pierre-Laurent d'Iberville a croisé une immense flotte française
dans le port de La Havane, doublé d'une grosse flotte espagnole de 18 vaisseaux chargés d'or des Incas en direction de l'Espagne, escorté par 18 navires de France, okay, qui apportent cet or-là au nouveau roi Philippe. Alors, vous voyez la complicité entre les deux? Alors, si vous voulez avoir des résultats de cette belle bataille-là, allez sur Google et demandez la bataille de Vigo. Bataille de Vigo. Les Français ont eu une raclée incroyable. Ils ont perdu 12 à 15 navires de sa flotte de 18. Les Espagnols ont perdu environ 15 de leurs 18 bateaux. Donc, une bataille terrible. Perte française, 18 plus 11. Une victoire des Anglais. Tout ça pour vous dire qu'on a pu, jusqu'en 2006, photographier la sépulture de Pierre Mandiburin. À partir de 2006, c'était interdit. C'était interdit parce qu'il y avait tellement de monde qui ont manipulé l'original du registre que le nom Berbila est en train de s'effacer. Okay. Si vous remarquez, le premier acte de sépulture en haut en espagnol, là, du 9 juillet 1706, là, dans la ville de La Havane, etc., a été enterré Pedro. Pedro. Berbila. Et si vous remarquez, l'acte de sépulture, c'est le numéro 26. 26 ou 24? 26. On est d'accord? Et regardez donc qui est l'acte de sépulture 24. Donc ça, c'est un acte 24, 25, 26. Mais il s'appelle Don Pedro Alvarez de Villarine, gouverneur de Cuba. Ils sont tous les deux enterrés le même jour à Cuba. Là. Alors, dans cette belle église, il est très clairement écrit, là, je vais corriger tous les gens qui m'ont abordé tantôt, Pierre-Romain d'Iberville a été enterré dans l'église Saint-Christophe de La Havane. Il n'a jamais été enterré dans la cathédrale de La Havane. Okay? Même s'il y a une plaque tombale qui dit le contraire. D'Iberville est enterré dans l'église Saint-Christophe. Tout le monde est d'accord? Alors, dans l'église Saint-Christophe, mais on a retrouvé dans les registres des gouverneurs, on a trouvé beaucoup d'évêques. Et j'ai trouvé, moi aussi, trois Français. Okay? Le premier, mais c'est Pedro Berbila. Ça date, mais c'est du blague. Ah non, excusez. Le premier, c'est Pedro Pierre Sueur. Pierre le Sueur. OK? Ah, toute une histoire, Pierre le Sueur. Ça va me prendre 2 heures à compter. Une autre fois. Alors, Pierre le Sueur est enterré à Cuba. Et il est pas loin de Pedro Berbila, notre Pierre de Mandiberville. Et le troisième, Moine de Berbila. OK? Trois actes de Français. Il y a beaucoup aussi, comme vous dites, des actes des marins français de la flotte qui sont venus là, chercher l'or à Cuba. Alors voici la transcription de l'acte en espagnol de la sépulture du 5 septembre. Cette sépulture, elle avait déjà été repérée par l'abbé Casgrain en 1885, quand il a visité La Havane de Cuba avec son frère. Deux curés sont visités les archives de La Havane. Ils ont transcrit l'acte du 5 novembre. Ils ne connaissaient pas l'acte du 9 juillet. Ils ne connaissaient pas. Ils ont réussi à trouver l'acte du 5 novembre. Qu'est-ce qu'il y a? Le 5 septembre, excusez. La tendance à mettre ça en novembre, c'est 7 ans. Le 5 septembre, un acte de sépulture. Sauf que la page était arrachée du registre officiel de La Havane.
j'ai reconstitué la page en question, d'un côté et de l'autre, avec l'index. OK? Et dans l'index, on voit la sépulture de Moyne de Berbilla. Et à Montréal, M. Casgrain publie dans un livre, regardez, j'ai transcrit l'acte de sépulture de M. Duberville. Or, je pense que l'original de la page de sépulture de Lavant est dans les archives du curé Casgrain, qui, selon mes dernières recherches, le curé Casgrain aurait déposé ses archives à Québec, mais une partie de ses archives de voyage serait dans la collection Lionel Groulx à Montréal. Donc, une autre piste à vérifier. Si on trouve l'original de la page de la sépulture de M. Berbilla au Québec, c'est parce qu'il y a un Québécois, un curé, qui l'a volé. Alors, deux hypothèses. Alors, Duberville n'est pas mort le 8 juillet et c'est pas son corps qui est enterré le 8 juillet, le 9 juillet, dans l'église paroissiale de Saint-Christophe. Mais il aurait vécu encore deux beaux mois au soleil sur la plage avant de mourir le 5 septembre. Bon, ça c'est une première théorie. D'où la théorie, là. Peut-on mourir deux fois que moi? Bon, OK, ça c'est réglé. L'autre hypothèse, c'est que lors de l'expédition de M. de Duberville, dans son bateau, en plus d'avoir ses 100 Canadiens, là, ses 100 coureurs de bois qui l'accompagnaient, il y avait une couple de petits moussaillons qui l'accompagnaient, okay? Dont le fils de Charlemagne de Longueuil, le futur baron qui est sur le bateau. Le fils de Jacques de Sainte-Hélène est sur le bateau avec Duberville. Et moi, ma théorie, c'est que le fils de Duberville était sur le bateau avec ses cousins. Et c'est lui qui va mourir le 5 septembre des fièvres, un peu comme son père. Rappelez-moi là, de vous dire, c'est écrit en bas, « Ninos de 8 Anos ». Alors voici les 6 enfants de Pierre-Lemoine Duberville. Alors Duberville a eu 6 enfants, 4 garçons, 2 filles. Ces garçons sont tous décédés en bas âge. Il n'y a aucune descendance masculine de Duberville en France. Duberville a une descendance du côté de ses deux filles. Ses deux filles, la première qui s'appelle Marie-Thérèse, qui a marié M. Jean Goudion, une grande descendance de la famille Goudion qu'on a pu reculer jusque dans les années 1900. Ensuite, je les ai perdus. L'autre branche, c'est la branche de Marie-Thérèse, parce qu'il y a deux Marie-Thérèse. Marie-Thérèse 1 puis Marie-Thérèse 2. Alors, Marie-Thérèse 2, elle, la fille de Duberville, elle va marier le fils de Sérigny, son cousin Germain. OK? Donc, Marie-Thérèse va marier son cousin. Donc, il y a une descendance, le moine, jumelant Sérigny et Pierre le moine, jusqu'à plusieurs générations, je pense qu'ils font 4-5 générations, là, de Sérigny. Et le moine de Sérigny. Duberville a-t-il été assassiné? Ça, c'est un détail qui a été dévoilé par les archives du service d'hydrologie de France par deux excellents géographes qui s'appellent Claude et Guillaume Delisle. C'est pas n'importe qui. Hein? Dans un mémoire de 1738, donc 32 ans après la sépulture de Duberville, on lit. Après avoir fait deux voyages au Mississippi, il en avait entrepris un troisième qui l'aurait approché de sa perfection lorsqu'il mourut en route, empoisonné, dit-on, par les intrigues d'une nation célèbre qui craignait un tel voisin. De qui parle-t-on? Alors, théorie de l'assassinat, ça vient de là. Okay? Maintenant,
je me suis mis à la trace, à la recherche de l'église Saint-Christophe où est enterré M. Duberville. Dans la, cette belle carte que vous voyez, là, juste aux côtés de la forteresse de la rue Fourzal, voyez-vous une belle forteresse en forme d'étoile? Alors, juste en face, en descendant de là-bas, vous voyez la petite église de Saint-Christophe, sur un plan qui est très vieux, de 1620, quelque chose comme ça. Un deuxième plan vous montre la même église San Cristobal, Saint-Christophe, en ligne avec le, la forteresse de la rue Fuerza. C'est la petite église que vous voyez en bas. Une troisième carte nous montre aussi l'église à proximité de la forteresse. Et une quatrième carte, la forteresse est complètement en bas et l'église, c'est la première chose que vous voyez dans la grande cour blanche. C'est là que était l'église Saint-Christophe. Or, si vous remarquez la proximité du port de l'Adam, okay? Il est arrivé que dans les années 1800-1840, il y a un bateau qui s'est ancré dans le port de Laval et qui a explosé parce qu'il était chargé de dynamite. Il a explosé tellement fort que le feu s'est transporté sur la toiture de Saint-Christophe. Saint-Christophe a brûlé totalement et ils ont démoli l'église par après, ils l'ont jamais reconstruite. Donc l'église Saint-Christophe n'existe plus. Ce qui existe, ce sont ses ruines. Parce que vous regardez le carreau foncé, là, c'est la fondation de l'église. Et vous voyez l'étoile, c'est la forteresse. Donc, c'est facile de se localiser. Et la forteresse, on peut la visiter, c'est une très belle chose à faire en avant. Et les ruines de l'église, ils ont construit le musée du Palacio de los Capitanes Generales à l'avant. Directement au-dessus des ossements, ils n'ont pas enlevé un os, ils ont construit par-dessus un magnifique édifice qui abrite un des plus gros grands musées de l'Avance. Je vous invite à le visiter. Alors, vous avez deux cadrés ici. Vous avez le premier grand carré, c'est le carré du Palacio, le musée, et le petit carré en bas, c'est l'église. Donc, voyez qu'il y a une superposition entre les deux. Or, il y a qu'en 1967, on a fait les fouilles des souterrains en dessous du, comment vous appelez ça, le plancher de l'entrée. La fondation. Le parvis, je crois. Alors, ils ont fouillé en dessous du parvis et puis ils ont trouvé des caisses et des caisses d'os. Des caisses et des caisses d'os. Mais, ils ont trouvé aussi un corps presque intact, tous les ossements d'un jeune enfant de 6 à 8 ans, masculin. Ah, le fils de Dieu. Ah, OK. Donc, vous le voyez dans le fond de l'excavation, là, ils sont en train de ramasser les ossements du petit enfant de 8 ans qui serait, selon, si on analyse l'ADN, le fils. Voici les plans de l'église. Si vous allez à Cuba, vous avez quatre beaux sites à visiter, la statue, le Palacio, que je vous parlais, la cathédrale, et le Castelio, le château, là, que je vous parlais tantôt. Tout ça peut se faire, les quatre, à pied. Le monument, à l'intérieur du musée, vous allez voir le portrait de Duberville. Vous allez voir une très belle plaque aussi que l'Association de France ont venu poser à l'avant. Vous allez voir un faux tombeau, parce qu'on a simulé la tombe, le tombeau de M. Duberville dans le musée, pour accommoder les Canadiens. Vous avez aussi la belle cathédrale que vous pouvez visiter. Et si vous allez à la cathédrale, je vous invite à prendre la porte de droite, OK? De longer le mur, de sortir par la première porte sur votre droite et d'aller voir la plaque qui est sur le mur. Et si vous êtes chanceux comme moi, vous allez rencontrer le cardinal de l'avant, Jaime Ortega Lamena. Alors voici le plan de la cathédrale. Comme je vous disais, rentrez par la porte de droite. Première porte à droite, vous sortez dans la petite cour et vous allez trouver une belle plaque que j'ai restaurée en 2002. Elle était cachée dans un vieux garage et j'ai demandé de la voir. On l'a sortie.
et on l'a réinstallé sur les murs de la cathédrale en installant 4 nouveaux boulons qui m'ont coûté une fortune, 20$ US, je pense. Alors voici ce qu'il y avait écrit sur la plaque. Français, espagnol, anglais. Alors, on revient. Et qu'est-ce que vous voyez comme dernier nom dans le bas? La plaque a été parrainée par le maire camélien Wood, le petit gars de Saint-Henri. Et à cette époque-là, 1635-1636, il y avait une multitude de voyages qui se faisaient à Cuba. Là. Une expédition française, les Québécois qui viennent installer leur plaque sur la cathédrale, etc. Donc, il y avait un mouvement là, qui se promenait, une effervescence. Si vous allez au musée, vous allez voir la maquette du bateau de M. Duverville. Et je pense que je rencontrerai les buts de ma conférence de ce soir.